Les fondamentaux sont toujours là, moralisation de la vie politique, mise en place d'une politique référendaire, relance de l'économie, défense des centres-villes, du commerce, de l'artisanat, des TPE, des TPI, des professions libérales qui sont les réels moteurs, en tout cas pourvoyeurs d'emplois dans notre département et dans cette ville. Il y a les problèmes, effectivement, la problématique de la sécurité, des transports qui est incontournable et qui a été méprisé ou dévoyé. Et le dernier point, je crois, consiste à lutter contre les communautarismes. Aujourd'hui, Montpellier est devenue symboliquement une ville conflictuelle. Et je pense que c'est une démocratie apaisée qui doit être instaurée. Et c'est ce que je vais m'attacher à faire tout au long de cette campagne. Et j'espère, lorsque je serai à la gestion de cette ville.